Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour cette première émission de l'année 2023 de Passé Présent, l'émission historique de TV Liberté en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Il y a une quinzaine de jours, nous avions évoqué les origines antiques des forces spéciales avec Sparte et sa cryptie. Aujourd'hui, nous allons évoquer des origines plus modernes puisqu'elles remontent à la Seconde Guerre mondiale avec les Jedburgh et ceci à travers les destins croisés de deux combattants, Michel de Bourbon-Parme et Jean Sassy. Et pour en parler, nous recevons Jean-Louis Tremblay. Jean-Louis Tremblay, bonjour. Grand bonjour. Reporter au Figaro Magazine, vous êtes un spécialiste de l'Asie du Sud-Est. D'ailleurs, dans le livre Le Dernier Carré, paru chez Perrin en 2021, sous la direction de Jean-Christophe Buisson et Jean Sevilla, vous signez le chapitre consacré à cette région du monde et aux guérillas anticommunistes entre 1949 et 1975. Vous êtes également l'auteur d'Un prince dans la tourmente, écrit à base d'entretiens avec le prince Michel de Bourbon-Parme, dont nous allons parler, et de Opération spéciale, 20 ans de guerre secrète, de la résistance à l'Algérie en passant par l'Indochine, écrit avec le colonel Jean Sassy, toujours aux éditions Nimrod. Donc nous allons, par le biais de ces deux portraits, nous allons évoquer avec vous les origines des forces spéciales. Alors à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par le prince Michel de Bourbon-Parme. Pourriez-vous nous situer rapidement dans la généalogie des Bourbons ? Oui, alors je ne vais pas faire injure aux Français, je ne vais pas rappeler qui étaient les Bourbons. Descendants de Saint-Louis, capétiens. Disons que Michel de Bourbon-Parme, qui est né en 1926, est le fils de René de Bourbon-Parme et de Margaret du Danemark. Donc, et comme vous le savez, à peu près toutes les familles régnantes de l'Europe sont cousines. Voilà, donc on peut dire que son arrière-grand-père, qui était Christian du Danemark, était surnommé le beau-père de l'Europe. D'accord. Donc jeune adolescent, il a 14 ans lors de la débâcle en 1940 et sa famille est obligée de quitter la France. Ils arrivent aux États-Unis. Lui, bien sûr, suit. C'est un adolescent, il n'est pas très bon à l'école, ça l'ennuie un peu. Et en mars, il cherche d'ailleurs à s'engager alors qu'il n'a que 16 ans. Et finalement, en mars 1943, alors qu'il a 17 ans, il s'engage dans l'armée américaine. Alors quel va être son parcours à partir de cet engagement ? Alors à l'origine, il voulait s'engager dans l'armée française. Il a vu un croiseur français au large de New York, puisqu'il était à New York. Le Richelieu. Et il s'est présenté au capitaine qui lui a dit « Mais non, vous êtes trop jeune, vous avez 16 ans. » Et puis, actuellement, l'armée française n'existe plus. Bon. Il a attendu. Puis, il est revenu un an plus tard. Et là, on lui a dit « Écoutez, vous ne pouvez pas vous engager dans l'armée française. En revanche, vous pouvez vous engager maintenant dans l'armée américaine. » Voilà. Donc, voilà, je vais vous donner l'adresse du bureau recrutement. Vous vous présentez et vous intégrez l'armée américaine. Donc ce qu'il fait, il fait l'école d'officier, il en sort sous lieutenant à Fort Benning. Et puis là, il est repéré, il est détecté par un agent de l'OSS, l'Office of Strategic Studies. L'OSS, c'est l'ancêtre de la CIA, en fait. Donc en 1943, l'agence recrute. Et surtout, on cherche des francophones. Pourquoi ? Parce que, évidemment, le débarquement est déjà dans les cartons, on veut le préparer, et il faudra nécessairement des officiers francophones pour établir la liaison entre la résistance et le commandement allié. Ok. Voilà. Alors parallèlement, j'en parlais dans l'introduction, le jeune Jean Sassy, il est plus âgé, il a 11 ans, de plus que Bourbon-Parme. D'ailleurs, il participe à la bataille de France. Après la défaite, que fait-il Jean Sassy ? Alors, il est en Tunisie. Le parcours de Jean Sassy est assez sinueux.
Je vais essayer de le résumer brièvement. Effectivement, débâcle de 1940, lui se refuse à la défaite, donc il rejoint le pays dans lequel il est né, du reste, la Tunisie. Il intègre une unité d'opérateurs radio, parce qu'il avait été formé dans les transmissions, qui se trouve dans le désert. Et puis, après le débarquement allié donc, de 1942, le département d'Algérie et nos colonies du Maghreb sont libérées par les Anglo-Américains. Par conséquent, il est en zone libre. Oui. Et il rejoint les forces françaises libres. Alors, dans un contexte très particulier, là aussi, lui est recruté. Enfin, en vérité, il se porte volontaire au titre du BCRA, qui est l'ancêtre du SDEC et donc de la DGSE, les services secrets français. En l'occurrence, BCRA, les services secrets de la France libre, basé à Londres. Mais lui est toujours en Tunisie. Il est toujours en Tunisie et il y a un officier du BCRA qui passe les troupes de l'un des régiments dans lesquels il a été affecté, puisqu'il en a fait plusieurs, et qui demande des volontaires parachutistes. On ne dit pas pourquoi. Sassi sort du rang, est volontaire. L'officier précise, attention, si vous venez avec moi, il y en a un sur deux qui ne reviendra jamais. Voilà. Il dit, qu'à cela ne tienne, très bien, je signe. Sur ce, un cargo les emmène en Grande-Bretagne. Donc en Grande-Bretagne. Et là, il retrouve, il se connaissait certainement, il retrouve, quand je dis il retrouve, il se retrouve avec Bourbon-Parme en Angleterre. Donc ils ont intégré tous les deux le BCRA. Oui, c'est ça. Parce que Bourbon-Parme, lui, après l'OSS, intègre le BCRA. Comment ça se passe pour lui? Oui, alors il signe au titre du BCRA, effectivement. C'est-à-dire qu'il est détaché de l'armée américaine au BCRA. Parce que De Gaulle, en juillet 1943, a donné son accord. Donc c'est un accord pour qu'on constitue des équipes tripartites. Je crois qu'on va en reparler parce que en 1943, ils sont sélectionnés tous les deux pour participer à l'opération Jedburgh. Donc là, on arrive au cœur de notre propos. Au cœur du sujet, oui. Expliquez-nous ce qu'est l'opération Jedburgh. D'où vient-elle? Qui l'a inventée? L'opération Jedburgh est sans doute la plus confidentielle et la plus méconnue de la Seconde Guerre mondiale. Les intéressés eux-mêmes n'ont entendu le mot Jedburgh qu'après la guerre. C'est dire. Elle a été conçue en mars 1943. À l'origine, c'est une idée de Winston Churchill qui voulait mettre l'Europe nazie à feu et à sang. Et pour ce faire, envoyer des forces non conventionnelles derrière les lignes ennemies, donc dans les territoires occupés. Pour un, faire une liaison avec les résistances locales, les entraîner, les encadrer, de organiser des dropping zones, c'est-à-dire des zones de largage pour un container de munitions et autres. Et trois, en vue du débarquement, qui aura lieu donc en juin 1944, harceler, saboter, taper là où ça fait mal chez l'ennemi, voilà. Mais toujours par petits groupes mobiles. Tactique ce sont des petits commandos de combien de personnes? Des commandos de 10 hommes, 10 partisans, encadrés par un officier, Jedburgh, donc, puisque c'est un. D'où vient le nom Jedburgh? Alors, Jedburgh, deux hypothèses, on ne sait pas vraiment. C'est avec Winston Churchill, donc l'inventeur de ces fameux commandos, avait participé à la guerre des Bourgs. Oui. Lors de la guerre des Bourgs, dans un village appelé Jedburgh, les commando avec un K afrikaner avait réussi à s'infiltrer derrière les lignes anglaises et à surprendre la garnison au réveil. Bon, on pense que c'est resté dans la mémoire de Winston Churchill et qu'il a ressorti Jedburgh à ce moment-là. Autre explication, il y a un village en Écosse, au sud d'Édimbourg, qui est réputé pour son abbaye gothique splendide. Et il se situe dans la région dite des Borders, c'est-à-dire cette région frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, âprement disputée et territoire de combat entre les deux peuples. Et les habitants de ce village avaient une solide réputation de guerriers, et on dit qu'ils jouaient à l'époque à la soule, c'est-à-dire ce sport du rugby. L'ancêtre du rugby et du football, c'est un mélange, oui. Avec la tête des Britanniques décapités, enfin des Anglais décapités plus exactement. Sympathique. Pas des Britanniques, des Anglais. Ouais. Donc, voilà. C'est une façon de motiver ces commandos. Voilà. Bien. Et alors leur structure, ça représente combien d'hommes, grosso modo? Alors,
Effectivement, c'est intéressant parce qu'ils ne furent que 300. Ah oui. Voilà. Donc, 100 équipes de 3. 100 teams, comme il disait, puisque l'officier, le chef d'équipe, était soit un Américain, soit un Britannique. Son second, généralement un sous-lieutenant, un lieutenant, pouvait être français. Et le troisième homme était l'opérateur radio. Ce qu'il fallait, c'est que dans ces équipes, il y ait au moins un commando qui parle la langue du pays où le trio allait être largué. C'était majoritairement des Français, mais il y avait aussi des Belges, des Polonais, des Néerlandais. Ils sont envoyés dans toute l'Europe occupée ? Alors, ils seront envoyés dans toute l'Europe, effectivement. Il y a même des Jedburgh qui ont été envoyés en Allemagne, qui ne sont jamais revenus. Et d'ailleurs, on a proposé au collègue Sassir, après sa première mission dans le Vercors, en France, de participer à une incursion en Allemagne. On lui avait présenté des SS prétendument retournés. Il les a testés pendant une quinzaine de jours. Il a dit au commandant, non, je ne les sens pas, ça ne va pas se passer comme ça. On reviendra jamais. Et voilà. Effectivement, donc la mission est annulée. Si vous me dites que personne n'est revenu d'Allemagne, effectivement, voilà. Ça devait être… Il y a eu des précédents fâcheux. Donc ils sont envoyés en France, en Hollande, en Belgique. Surtout en France, majoritairement en France. Majoritairement en France. Donc Sassy et Bourbon sont, eux, parachutés, chacun avec leur… Ils ne sont pas dans le même commando. Hein. Non. Mais ils ont suivi un entraînement ensemble. Alors l'entraînement se faisait en Angleterre. Oui. Partiellement ensemble pour la deuxième partie. La première partie était plus technique pour Sassy parce qu'il était radio. Oui. Parce que chaque team, chaque équipe, chaque trio était parachuté avec un opérateur radio. La radio, la Jet Set, pesait 20 kilos. Ses éléments constitutifs étaient répartis entre les différents membres de l'équipe. Parce qu'il fallait évidemment communiquer avec Londres ou Alger selon les cas. Les Jedburgh qui étaient parachutés dans le nord de la France, dans la zone occupée, partaient d'Angleterre, et ceux qui étaient parachutés dans le sud partaient d'Algérie. Ok, de Blida un peu. De Blida, exactement. Et l'entraînement est un entraînement très dur à la britannique. C'est un entraînement, oui, à la britannique, c'est-à-dire beaucoup plus exigeant que celui qu'avait connu notamment Michel Bourbon-Parme aux États-Unis. Les Anglais, avec quelques longueurs d'avance, ils avaient déjà expérimenté les commandos en Norvège en 1940. Oui. Il y avait les SAS également qui avaient été… Il y avait les SAS. Alors, la différence, souvent les gens confondent un peu les deux. Les Jedburgh, ce sont vraiment les ancêtres des forces spéciales, c'est-à-dire qu'ils agissent… dans la clandestinité. Donc habillé en civil la plupart du temps. Non, pas habillé en civil, ils portent un uniforme, mais le but, ce sont des petites équipes restreintes, ils ne sont que trois, donc ils doivent être mobiles et autonomes. Les SAS sont des commandos également, bien évidemment, et ils ont un entraînement plus poussé que le fantassin moyen, mais ce sont des troupes de choc. Donc qui vont à 10, par groupe de 10, attaquer un objectif et le neutraliser. Les Jedburgh ont un tout autre rôle. Leur rôle, il est aussi un peu politique. C'est-à-dire qu'il s'agit de discuter avec leurs interlocuteurs, en l'occurrence la résistance, les différents courants de résistance. On va, oui, on va reparler, évident, mais ça n'a pas toujours été facile, notamment avec les FTP communistes, les francs-tireurs et partisans. Donc ils ont ce rôle de liaison entre les partisans, les résistants, et puis le haut commandement interallié. Non, ça. Et ils ont aussi pour fonction d'entraîner et d'encadrer ces résistants, ce qui n'est pas le cas des SAS. Oui. SAS attaque comme force de frappe. Donc je reviens au parachutage de nos deux hommes. Où sont-ils parachutés, Bourbon et Sassy ? Alors Sassy dans le Vercors, Bourbon dans le Cantal. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque j'aurais précisé deux choses quand même. Adolf Hitler a donné l'ordre d'exécuter tout commando qui serait surpris, avec ou sans uniforme, de toute façon. Donc, pour les Jedburgh, c'était clair, il ne fallait pas être pris. D'où quelques précautions. La première consistait à prendre un pseudonyme. Oui. Michel de Bourbon-Parme deviendra Michel Bourdon. Voilà. Jean Sassy deviendra Jean-Nicole, en référence à sa mère, qui s'appelait Nicolaï. D'origine corse, voilà. Et on leur proposait,
certains l'acceptaient, d'autres pas. Avant toute mission, avant tout parachutage, une capsule de cyanure. Oui. En cas d'arrestation. Voilà. Pour éviter, évidemment, de pénibles séances de torture. Et on sait si ça a été utilisé par certains des JetBurgs ? On n'a pas d'informations. A priori, non. Parce que le taux de mortalité des JetBurgs a été assez faible. Il était de 5%, ce qui n'est pas énorme. Donc, après le 6 juin 1944, voilà, exactement. Preuve qu'ils l'ont fait, parce que leur but n'est pas, n'ont pas vocation au sacrifice. Leur but, c'est de durer et de continuer le combat. Donc, ils ont chacun une mission différente. J'imagine que ça scie dans le Vercors, c'est le fameux. Chaque mission porte un nom d'automobile ou de médicament. Celle de Sassy, c'est chloroforme. C'est chloroforme, oui. Celle de Bourbon-Parme, ce sera quinine. Voilà, bon, donc chaque commando de JetBurg a sa propre mission. L'objectif est toujours le même, c'est établir le contact avec la résistance. Organiser les parachutages en vue des actions à orchestrer après le 6 juin 1944, encadrer et entraîner des résistants qui sont finalement des civils armés, bon, donc aux techniques commando, abattre une sentinelle, sabotage, explosif ou autre. Et puis, après le 6 juin 1944, un objectif supplémentaire, c'est celui de harceler évidemment les troupes allemandes sur le qui-vive, qui essaye de rallier la Normandie pour aller soutenir la Wehrmacht. Voilà. Principalement la mission de Bourbon-Parme qui se trouve, donc il est parachuté en Auvergne. Oui, c'est ça. Alors lui, il se trouve sur le chemin de la Das Reich, expliquez-vous. Exactement. C'est-à-dire que la division Das Reich, tristement célèbre pour Oradour-sur-Glane, était cantonnée à Montauban lorsque les Alliés débarquent sur les plages de Normandie en juin 1944. Ordre lui est donné de faire mouvement vers le nord et de rejoindre le front, le nouveau front qui s'est trouvé. À marche forcée. Voilà, à marche forcée. D'où cette traversée sanglante de la France. On connaît les ponts du Tulle, je répète, le massacre d'Oradour-sur-Glane. Mais sur cette route, l'équipe de Sassy va faire sauter des ponts, procéder à des embuscades, récupérer des munitions ou du matériel. Bref, essayer de freiner cette remontée vers le nord. Effectivement, ce qui fait gagner du temps aux Alliés. Donc, finalement, la Das Reich a rejoint le front de Normandie, fini par y arriver, mais avec du retard et des pertes. Donc, la mission n'a pas été vaine. Il y a quelques faits d'armes remarquables concernant Bourbon sur ce Il y a quelques faits d'armes remarquables qui lui ont valu la Military Cross, qui est la troisième décoration militaire britannique. Oui, il y a des fixations, des points de résistance, et puis un certain nombre de prisonniers allemands à l'actif du commando de JetBurg. En fait. Question, oui. Et Sassy dans le Vercors, que fait-il lui ? Alors Sassy fait exactement la même chose. C'est lui notamment qui organise la reddition de la garnison de Briançon, qui commandait les Hautes-Alpes. Il se déplace du Vercors aux Hautes-Alpes. Il forme également les résistants. Je vous interromps, c'était une division allemande ou italienne ? C'était des Allemands. Des Allemands. C'était des Allemands. Son but est exactement le même que celui de Bourbon. Finalement, le principal problème auquel ils ont été confrontés, ça a été les divisions intérieures au sein de la résistance. Oui. C'est la lutte entre mouvements rivaux, l'armée secrète d'un côté, les FTP de l'autre, les FFI, à tel point qu'il a parfois fallu faire parler la poudre pour rétablir l'ordre. Et eux-mêmes, les deux d'ailleurs, on le raconte, ont eu maille à partir avec des FTP. Ils ont été faits prisonniers. Oui, vous racontez effectivement. Qui menacent de les exécuter tout de même. Voilà, et qui les prennent pour soit des miliciens déguisés, soit des agents allemands. Infiltré, voilà. Donc Bourbon s'en tire, lui, en s'évadant, Sassy Bourbon s'en tire en s'évadant, Sassy s'en tire par la force, voilà. Bon, donc, avec les techniques qu'il a apprises en Angleterre. Voilà, c'était alors le principal le problème avec la résistance. Donc après la libération du territoire, on sent dans l'histoire des deux hommes comme un petit moment de flottement.
On ne sait pas très bien, eux-mêmes ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire, non. On ne sait pas trop comment les employer. En plus, je crois que l'un comme l'autre, d'ailleurs, se rejoignent sur, pour ne pas être, finalement, sont des combattants, pour ne pas être à l'aise avec l'ambiance de la France à ce moment-là. Oui, alors eux qui sont des combattants de la première heure, ne comprennent pas les exactions des combattants de la dernière heure. Hein, des résistants de la 25e heure, comme on Donc les fameux parlé. FTP qui jouent les marioles sur voilà, exactement. Les arrêtants. Et évidemment, ils assistent à ces scènes de l'épuration, femmes tondues, tabassage, humiliations diverses et variées. Ça les dégoûte un peu. Ça les dégoûte un peu. Effectivement, il y a un peu de désillusion. Ils trouvent que le climat est malsain. Pas oublier qu'en 1945, on est encore dans un climat insurrectionnel. Les maquis communistes ont de loin été les plus puissants et les plus actifs, notamment dans le sud-ouest de la France. Le péril communiste est sérieux, avec un parti communiste français dirigé par Maurice Thorez, qui quand même s'est exilé pendant 4 ans à Moscou, chez Staline. Voilà, donc il y a une ambiance de guerre civile. Ça ne leur plaît pas. Mais c'est justement là... On va leur offrir un nouveau terrain de jeu. Oui, alors ce terrain de jeu, c'est l'Asie du Sud-Est. Oui. Et là, ils sont volontaires tous les deux pour la Force 136. Donc là, la Force 136, expliquez-nous. Alors, d'abord, ils sont volontaires pour le BCRA, toujours. Ils sont toujours de Jedburgh, donc ils travaillent pour les services spéciaux. Bon, voilà. Le travail en Europe est terminé, mais il ne fait que commencer en Indochine. 45, c'est le début de la guerre d'Indochine. En 1945, rappelons que le Japon n'a pas encore capitulé. Mmh. Voilà. Et le Japon occupe nos colonies d'Indochine, les trois, Laos, Cambodge et Vietnam. Alors même l'Indochine qui, elle, était restée fidèle à Vichy. C'est ça. Mais le 9 mars 1945, voyant que la France était libérée, et donc avait basculé dans le camp des Alliés, les Japonais ont orchestré un coup de force, le coup du 9 mars 1945, avec désarmement des troupes françaises, oui. Massacre d'Européens, 2000 quand même. Massacre d'Européens des civils? Massacre de civils européens et de militaires, d'accord. Les deux, mais aussi de populations civiles. Pourquoi ces massacres? Parce qu'il y a un soulèvement Parce qu'il y a une résistance, oui. Il y a une résistance qui a été matée dans le sang. Les soldats du Mikado n'étaient pas réputés pour leur tendresse et leur douceur, donc ça s'est très mal passé. Et puis il y avait ce disons-le, racisme anti-blanc qui faisait partie de l'idéologie de l'Empire du Soleil Levant. Je vous rappelle que le but était de créer une sphère de coprospérité asiatique, c'est-à-dire en vérité une Asie sous la botte japonaise. Donc pour créer ce sentiment d'adhésion, il fallait un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'était évidemment le blanc et surtout le colon blanc, la puissance coloniale. Mmh. Et c'est justement là qu'on va se retrouver dans un scénario assez incroyable où le Viet Minh finalement, on va y créer donc, ex nihilo. Alors cette force 136, donc elle est constituée par les Anglais, les Français. Alors la force 136, c'est une excroissance asiatique des services spéciaux britanniques. Le quartier général est à Calcutta, dans l'Empire des Indes, et les camps d'entraînement sont à Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka. Les camps d'entraînement, pour vous en donner une idée, je vous renvoie au film Le pont de la rivière Kwai, oui. Au tout début, lorsque William Holden est recruté à son corps défendant pour aller détruire le pont de la rivière Kwai. C'est un peu ça. Donc on les entraîne à la guerre de jungle, à la survie, avec différentes activités nautiques, chasse. Et autres, à en faire des combattants de la jungle. C'est pas le cas Méditerranée. Donc, voilà. Donc ils restent un petit moment, ils sont assez lents. Et ensuite, le but, c'est de les envoyer en Indochine. Le but, effectivement, est de les parachuter en Indochine française.
pour aller combattre un nouvel acteur, on va dire, un nouvel acteur qui s'appelle le Viet Minh d'Ho Chi Minh, qui est le parti nationaliste et indépendantiste, évidemment, tout le monde le sait, communiste de surcroît. En fait, le Viet Minh n'était rien en 1944. Les Américains, les services secrets américains ont été libérés Ho Chi Minh, qui était prisonnier en Chine, l'ont ramené Ah, il était de Chine. prisonnier de qui? Il était prisonnier des Chinois. Parce qu'à l'époque, la Chine était nationaliste, c'était Chiang Kai-shek. Oui. Mao n'avait pas encore gagné. Donc Ho Chi Minh est libéré par l'OSS, les fameux services secrets américains, les ancêtres de la CIA, et par anticolonialisme, les Américains vont encadrer et entraîner les troupes du Viet Minh. Par anticolonialisme ou anti, j'allais Par sentiment anti-français dire, sentiment anti. et volonté Oui, enfin de de se substituer, voilà, c'est voilà, ça. De C'est pas remplacer. forcément par anticolonialisme Anticolonialisme de déguisé, façade, mais en de vérité, façade, voilà. avec un objectif bien plus Ils nous ont pernicieux. habitués à ça Voilà, tout au long de comme ils l'histoire. l'ont souvent fait. Donc, et là, on se trouve devant un scénario assez stupéfiant, c'est-à-dire que de mars 1945 à août 1945, donc capitulation japonaise, pendant presque 6 mois, le Viet Minh va mener des opérations contre l'armée française, contre les intérêts français, va prendre Hanoï en septembre 1945, c'est là qu'Ho Chi Minh a Donc ils proclamé prennent son Hanoï par indépendance, la force avec par la ils ont une petite force, armée. avec une petite armée qui est structurée, entraînée, encadrée par, alors là, c'est étonnant, à la fois les Américains et les Japonais. Bon, oui. Voilà. Alors c'est ce que découvre Bourbon Parme, parce que lui est parachuté le 27 août 1945, donc quand même 12 jours après la capitulation Oui. du Japon. D'ailleurs, il se demande pourquoi on l'envoie alors que le Japon a capitulé. C'est toujours posé la question, Oui. effectivement, c'est une erreur du commandement, vraisemblablement, Ouais, parce c'est qu'il pense, évident. lui, recevoir la capitulation des Japonais. Et là, Alors, il est parachuté et surprise, il se retrouve face à oui. des. Alors je reviens un peu sur cette alliance étrange. C'est-à-dire Oui. que, on a des officiers de l'OSS américaine qui, avec leurs ennemis japonais, encadrent le Viet Minh communiste. Main dans la Bon, main. voilà, c'est une curieuse troïka. Hein, quand même, c'est bizarre. Et ça, si, il le constate parce que lorsque lui, il sera parachuté au Laos, il se retrouve dans un combat face à face avec le Viet Minh et à la jumelle, il reconnaît des instructeurs. Sont autres que les Américains. Ah, il les reconnaît physiquement, il les Il les connaît. connaît parce que ce sont d'anciens Jedburgh. D'accord. Donc il les a croisés lorsqu'il était entraîné en Angleterre. Voilà, il les reconnaît. Sauf que maintenant, ils ont changé de camp. Et ils sont dans le camp communiste. Voilà, pour évincer les Français, les remplacer. Et avec des Japonais aussi. C'est-à-dire des Avec des soldats Japonais japonais. qui ont déjà. Par Ah, exemple, ils le n'ont pas. fameux. Je crois que Sassi, c'est Alors, juin, il est parti en juin, donc ils n'ont voilà. pas encore capitulé, les Là, ils n'ont pas Japonais. encore capitulé, mais vous savez, l'armée japonaise ne s'est rendue que très D'accord. difficilement. Oui, Il y même a eu, après je la capitulation, oui, rappellerai le l'épisode fameux. du fameux Onoda en Philippines, Oui, aux Philippines. jusque dans les années 70. Voilà, il a fallu aller chercher en 1970, il ne pouvait pas croire que l'empereur ait pu capituler. Donc, ça a duré quand même quelques mois. Pour revenir à Bourbon Parme, lui, il est parachuté avec un ancien fonctionnaire de l'administration coloniale et 5 autres officiers, tous Jedburgh. Leur mission est d'aller chercher l'empereur Bao Dai. L'empereur Bao Dai qui a parfois été côté français, puis contre les Français, qui a été instrumentalisé par les Japonais et qui est dans sa capitale impériale à Hue. Oui. Donc on les parachute juste dans cette zone. Mais en plein jour et au milieu de la plaine, ce qui passe pas inaperçu. Non. Donc, il arrive ce qu'il arrive, ils sont faits prisonniers presque immédiatement Ils ne dans la comprennent pas ce jungle. qui leur arrive Ils ne parce comprennent pas. qu'ils voient des paysans arriver avec un drapeau qu'ils ne connaissent pas, ils entendent parler d'un pays, le Oui, Vietnam, parce qu'ils ne que, connaissent pas. voilà, exactement. Tout ça, les nouvelles ne vont pas aussi vite qu'aujourd'hui, à l'époque. Elles ne sont pas du tout au courant de ces nouvelles alliances, de ce qui se passe, de la situation politique de l'ex-Indochine. Pour eux, ils parlent toujours de le Vietnam, ils ne connaissent pas. C'est la première fois qu'ils Ah, entendent ce qui ce est terme. étonnant, c'est que Sassi, lui, est parachuté au mois de juin. C'est-à-dire que la métropole n'a pas eu connaissance de cette alliance, j'allais dire, contre nature, japono-américano-vietmine.
Non, le renseignement fonctionne très mal. D'abord parce que les Japonais occupent toujours l'ex-Indochine. Pas japonais, nippon. Oui. Donc, il y a très peu de renseignements qui filtrent parce que les services de renseignement sont en cours de création, finalement. On le voit bien avec ces JetBird qui en sont les précurseurs, en tout cas les précurseurs du service action. Et donc Bourbon, lui, il arrive avec son parachute, hop, tout de suite prisonnier. Enfin, c'est pas net au départ, ils savent pas trop bien à quelle sauce ils vont être mangés. C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce qu'au départ, on leur fait croire que bon, peut-être ils vont servir de monnaie d'échange, on va les présenter, oui, aux nouvelles autorités du Vietnam. Mais quelles sont les nouvelles autorités? On les connaît pas. Qu'est-ce que le Vietnam? Nous, on connaît le Tonkin, la Nam et la Cochinchine. Mmh. Point. Mais est-ce qu'on peut les considérer, lui et ses camarades, comme les premiers prisonniers de la guerre d'Indochine, pratiquement? Leur détention préfigure tout ce que vont connaître de prisonniers. D'une certaine manière, oui, parce que leur détention, vous le verrez dans le livre, elle est finalement assez artisanale. Elle n'est pas très organisée. On les trimballe de village en village. Il y a un changement de gardien. Il n'y a pas de système concentrationnaire encore établi, comme il existera plus tard pour tous les prisonniers internés d'Indochine, après Cao Bang en 1950 et évidemment après Dien Bien Phu en 1954. Là, le système est vraiment organisé, avec des commissaires politiques, des gardiens, des rations quotidiennes qui sont millimétrées, des humiliations, des séances d'autocritique, etc. Tandis que là, non, on ne sait pas trop qu'en faire finalement de ces six blancs qui viennent du ciel. Donc, ils sont victimes de mauvais traitements ou... Ah, ils sont, oui, parce qu'ils sont un peu livrés à la population. Donc ils subissent moult avanies. Des simulacres d'exécution aussi. Plusieurs simulacres d'exécution. Ils sont exhibés devant les villageois dans des cages en bambou, nus, crachats, tortures, on les asticote avec des bambous aiguisés. Non, c'est assez effroyable. Et alors, il raconte quand même une chose incroyable, c'est qu'à un moment, il croise des Américains, Bourbon, il les appelle à l'aide et il n'y a aucune... Oui, effectivement. Quelqu'un tourne le dos en rigolant. Puisque quand ils changent de village, donc de prison, à chaque fois, on les transporte en camion, avec ce qu'on a sous la main. Bon. Et un jour, sur la route, effectivement, la fameuse route mandarine qui relie Saigon à Hanoï, du nord au sud, du sud au nord, ils croisent des officiers qui sont vraiment à rigoler avec des Vietnamiens. Et lui, évidemment, comme il parle anglais, puisqu'il s'est exilé aux États-Unis, il dit, je vais leur parler, c'est nos alliés, c'est les Américains. Et effectivement, il leur parle, il leur dit, « We are JetBird officers, nous sommes des officiers de JetBird. » Il essaye de lancer sa bouteille à la mer. Les autres le regardent, échangent quelques mots avec les Vietnamiens, et puis ricanent, s'esclaffent et s'en vont. Donc j'imagine que la désillusion... Désillusion et incompréhension, parce que évidemment, tous ces enjeux, toute cette partie d'échec qui est en train de se jouer dans l'ex-Indochine, ils n'en ont pas connaissance. Vous savez, quand on est trop près du problème, finalement, on a du mal à l'appréhender et à l'analyser. Et Sassi, lui, de son côté, en revanche... Alors Sassi, c'est un peu différent. Il est dans la jungle. Il est dans la jungle. Lui, il n'a pas une mission de liaison comme avait l'équipe de Michel Bourbon-Parme. Lui, il a une mission d'action, c'est-à-dire que il est chargé de rentrer en contact avec les montagnards du Laos. Oui. Vous savez que dans l'ex-Indochine, les hauts plateaux et les sommets sont occupés par des tribus indigènes. Ne sont pas de l'ethnie Viet, qui sont des chasseurs-cueilleurs animistes, généralement nomades, qui nomadisent, et là notamment qui nomadisent dans la cordillère animitique, et ce sont des... On les appelle les Moy, les Vietnamiens les appellent les Moy, ce qui est très péjoratif, ça veut dire les sauvages, parce qu'évidemment, ils n'ont pas eu l'éducation chinoise, ils ne savent ni lire ni écrire, voilà. Et ces peuplades, ces peuplades qui sont en butte au mépris des Vietnamiens des plaines, naturellement collaboraient avec les Français. Donc,
mission est donnée à Sassi d'aller au Laos, de fédérer les Maquisards Hmong. Les Hmong sont l'une des plus importantes ethnies de la région. Hein, ce sont ces Asiatiques en pyjama noir aisément reconnaissables. Le peuple de l'opium, on l'appelle aussi. Ils habitent à plus de 2000 mètres d'altitude. Et Sassi est chargé d'aller chercher, également d'organiser des parachutages pour les armées. Et puis, donc, constituer, d'en faire une troupe de choc pour la reconquête de l'Indochine, puisque nous sommes là dans une phase un peu intermédiaire entre l'arrivée du corps expéditionnaire français. Oui, là, la guerre n'a pas véritablement. Voilà, enfin, et puis. On va en parler après, mais la guerre n'a pas véritablement commencé. Voilà, c'est exactement. Une guerre larvée, quoi. La guerre d'Indochine, elle a déjà commencé, mais telle que nous l'imaginons. Avec colonne Leclerc et ce qu'on sait, reprise des villages et du delta du Mékong, elle ne commencera véritablement qu'en 1946. Mmh. Alors, Bourbon va lui s'évader. Oui. C'est assez rancombolesque. Il essaye. Alors, il fait déjà fois. Plusieurs tentatives d'évasion. À chaque fois, ils sont repris, les six. Et à chaque fois, évidemment, les conditions d'incarcération sont plus difficile, on leur fait payer. Donc ils vont rester jusqu'au mois de. Donc ils ont été capturés en août 1945 et jusqu'au 9 mars 1946, après deux tentatives d'évasion avortées, ils réussissent la troisième. Voilà. Et commence alors là une odyssée incroyable et effroyable. C'est la traversée d'est en ouest du Vietnam. Qui est très étroit en cet endroit où vous avez la côte, une cinquantaine de kilomètres de plaine, puis la cordillère animitique qui fait frontière avec le Laos. Ils apprennent en recoupant des informations, des fragments, en écoutant leurs gardes, que le Laos, lui, a déjà été repris par les Français. Donc ils se disent, on va aller au Laos, c'est à 150 kilomètres à vol d'oiseau, sauf qu'il faut franchir la cordillère animitique avec des sommets de 2005 ou 3000. Et une jungle inextricable, voilà, qui est un obstacle naturel en fait. Donc, et ils sont déjà extrêmement affaiblis. J'imagine. Bourbon part, on me dit que son poids de forme c'était 75 kilos, il n'en pèse plus que 50. Ils n'ont plus de chaussures, donc ils sont pieds nus. Ils n'ont pas de provisions, ils n'ont pas de vivres. Donc il faut qu'ils trouvent de quoi survivre dans la jungle, ce qui n'est pas facile. Victime évidemment de maladies diverses, dermatose, dysenterie, paludisme, j'en passe. Mais là, l'entraînement a peut-être payé. Certainement, l'entraînement a payé. Alors, Bourbon dit que pendant leur détention, tous les Jedburghs, sauf un, s'astreignaient à faire de la culture physique. Bon, pour le jour éventuel, il pourrait s'évader. Sauf un, et effectivement, celui qui ne l'a pas fait s'est effondré pendant l'évasion. Il est arrivé vivant Non, il n'est pas arrivé vivant, parce que sur les six qui étaient retenus, deux vont être tués par leurs poursuivants, donc le Viet Minh, et aidé par des milices villageoises. Il en reste donc plus que quatre à ce moment-là. Le troisième décide de partir seul. Il sera rattrapé par les poursuivants et lui, celui-là subira un sort assez atroce puisqu'il sera émasculé et il aura les oreilles coupées. Voilà. On les ramènera au chef du Viet Minh local. Et celui justement qui s'effondre parce que il peut pas aller plus loin, parce qu'il s'est pas entraîné, parce qu'il s'est pas, il n'a pas voulu faire comme les autres, celui-là, un jour ne se relève pas, décide de se laisser mourir. Les deux seuls survivants, c'est-à-dire Michel de Bourbon-Parme et le chef de la mission, le capitaine Lebel, font tout pour persuader de continuer. Il ne peut pas, il est à bout, il le laisse. Ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus, mais lorsqu'ils seront libérés,
Ils retourneront sur place, à l'endroit où ils l'ont laissé, pour voir ce qu'il en était advenu. Et ce qu'ils retrouveront, c'est en fait une scène de carnage, parce que visiblement, ce pauvre officier a été tué par un tigre, mangé par un tigre. Mmh. Bien. Alors, lui, il s'assit. Après son évasion, on va laisser Michel de Bourbon-Parme qui retourne à la vie civile. Oui, c'est difficile de faire ces deux histoires croisées qui s'entremêlent, qui se rejoignent parfois, mais qui sont très dissemblables. Donc, Sassi, lui, reste sur le terrain. Il retourne donc après avoir travaillé avec les maquis en 1946, il retourne en métropole et ensuite voilà, vraiment la guerre d'Indochine commence et il retourne en 1953 en Indochine. C'est ça. Alors, il reprend finalement sa première mission. Exactement. C'est la grande différence entre les deux hommes, deux parcours différents. Comme je vous le disais, Michel de Bourbon-Parme, après sa libération, puisque bon, finalement l'évasion va réussir, il sera encore repris par le Viet Minh, puis envoyé dans une prison-hôpital, et libéré, parce que entre-temps, les nouvelles autorités communistes et la France ont entamé des pourparlers, qui n'aboutiront pas, mais toujours est-il que le climat s'est un petit peu apaisé. Voilà, il est plus à la détente. Donc il va profiter de cette fenêtre de tir pour rejoindre Saïgon, puis la France. Et comme la mission a été un échec, comme il a le sentiment justifié du reste d'avoir été envoyé... pas au casse-pipe, mais presque. Au casse-pipe, en tout cas au sacrifice... qui n'a pas l'esprit militaire, il le dit très bien, il a accompli son devoir, il a fait une guerre, une très belle guerre, qui lui vaudront plusieurs décorations, dont la Légion d'honneur, mais il retourne à la vie civile. Ce n'est pas le cas de Sassi. Sassi, c'est un guerrier éprouvé et endurci, c'est ce qu'il aime, c'est sa vie, c'est sa raison d'être. Lui, en 1946, il rejoint... le 11e choc, ce qu'on appelle le 11e bataillon parachutiste de choc, qui n'est autre que le bras armé du service action, donc du SDEC, des services secrets français. Ce service action, enfin ce 11e choc, est constitué d'anciens Jedburgh, ils sont tous Jedburgh. Ouais. Hein, parmi eux, il y en a qui sont très connus, comme le général Osarès, oui. Voilà, qui est l'un des fondateurs de ce 11e choc. Ce 11e choc va s'installer dans le sud de la France, entre Collioure et Perpignan, et former, va constituer ses agents actifs du service action, qui eux n'opéreront pas toujours, du reste, sous uniforme. Voilà. Donc des hommes au service de la France pour des opérations spéciales, très spéciales. Donc Sassi, lui, quand il retourne en Indochine… – D'abord instructeur. – Il est instructeur, il fait profiter… – Il fait profiter les nouvelles recrues de son expérience en tant que Jedburgh. À l'époque, la conscription existe, évidemment, et le 11e choc est constitué pour partie d'appelés. C'est assez étonnant, mais pour partie d'appelés. L'encadrement est professionnel, mais les appelés du contingent fournissent la troupe. Donc, il y a des compagnies d'instruction, formation, les cycles… évidemment le parachutisme, tout ce qui est propre aux troupes aéroportées, plus les sauts à la mer et d'autres spécialités. Lui, Sassi n'a qu'une envie, c'est retourner en Indochine. En termes de cette mission, il a beaucoup marqué et il est notamment tombé amoureux du peuple Hmong. Hein, oui. Ce peuple Hmong avec lequel il a vécu, avec lequel il a fait la guerre. Bon, pour lui, ce sont des frères d'armes. Des frères d'armes qui n'aiment pas le Viet Minh et qui combattent pour la France. Donc il n'a qu'une envie, y retourner. Mais son expérience en tant que Jedburgh est précieuse aussi pour l'armée française, puisque ça lui permet de transmettre. D'assurer les jeunes recrues. De transmettre. Donc il essuie plusieurs refus jusqu'à ce qu'en 1953, donc un an avant la fin de la guerre, on le renvoie. Entre-temps, le service action a constitué de nouvelles unités qu'on appelle les GCMA, les groupements de commandos mixtes aéroportés, qui deviendront les GMI, groupements mixtes d'intervention.
C'est exactement. Ces GCMA et ces GMI sont construits sur le même modèle que les équipes Jedburgh. Bon, il y a trois officiers qui sont détachés auprès d'un maquis, oui. Un maquis ethnique. Alors, en l'occurrence, pour celle-ci, c'est chez les Hmongs du Laos. D'où le nom mixte. D'où mixte, effectivement. Ces officiers, ensuite, forment des commandos. Et ces commandos sont constitués de montagnards autochtones. Double intérêt. Selon le précepte de Mao, évoluer dans être dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Et évidemment, c'est fondamental pour le renseignement, pour l'approvisionnement, pour la logistique. Et deuxièmement, profiter de l'expertise des Hmongs, qui connaissent parfaitement et la forêt et la montagne. Donc ce sont des maquisards extraordinaires, de redoutables guerriers, bien formés. Ils vont faire des dégâts au bataillon vietnamien. Ça a vraiment été une réussite. C'était une réussite. Les bilans, quand on observe les bilans dans le livre que je consacre au colonel Sassy, il avait conservé tous les bilans qu'il envoyait régulièrement à Saïgon, au commandement. Parce que c'est grâce à ces bilans qu'ils pouvaient aussi avoir soit des renforts, soit envoyer une dizaine de Hmongs pour être formés à l'école de sous-officiers ou à l'école d'officiers ou être brevetés parachutistes. Donc on voit que le bilan est sérieux, c'est-à-dire qu'ils anéantissent parfois des sections ou des compagnies vietmines. C'est beaucoup, une section c'est 30 hommes, une compagnie c'est 120, 130. Ouais. D'ailleurs je crois que les Américains ont continué avec les Hmongs après. Effectivement. Ils sont toujours persécutés. Alors, c'est une histoire tragique, celle des Hmongs. C'est une histoire tragique parce que persécutés par les Viets depuis des millénaires, quand je dis les Viets, c'est l'ethnie. C'est pas de caractère péjoratif. Hein. C'est par l'ethnie Viet, donc l'ethnie des plaines. Ayant choisi, au sens de l'histoire, le mauvais camp, puisqu'ils se sont battus, on vient de le dire, avec les Français contre le Viet Minh, puis avec les Américains contre le Viet Cong et le Nord-Vietnam, il est logique qu'en 1975, ils subissent des représailles. Donc c'est un peuple qui a été cantonné dans des campements, qui a été regroupé, dont la liberté de circulation et de mouvement a été limitée. Or, le Hmong est quelqu'un qui ne connaît pas la propriété ou le terrain d'appartenance, il sillonne la montagne, c'est un homme libre. Donc la résistance a continué pendant quelques années après 1975, des petits groupes isolés, avec des équipements vétus, de l'armement qui datait soit de la guerre de Chine, soit de la guerre du Vietnam, et jusque dans les années 2000, on a retrouvé quelques groupes errants, comme ça, au milieu de la forêt, l'armée des ombres. Ils sont quasiment exterminés aujourd'hui ou... Ceux qui ont accepté la règle des régimes communistes au pouvoir au Laos et au Vietnam survivent. Ils ne survivent pas la tête haute, mais ils survivent. Les autres, ceux qui ont choisi de se réfugier dans la forêt, sont petit à petit tous exterminés. Effectivement. Mais ça pourrait faire l'objet. Mais effectivement, les Américains, pour revenir à cet épisode, Sassy va rester quand même jusqu'en. Il va rester 2 ans en Indochine. Il va essayer même de rester au-delà de. Oui, 2 ans. Au-delà de puisqu'en 54, la guerre est finie. Il reste jusqu'en 1955. Son but, c'est de constituer des stocks d'armes cachés, parce qu'il est persuadé qu'un jour, les Hmongs devront de toute façon reprendre le combat. Contre les communistes, contre le Viet Minh, qui a pris le pouvoir au nord. Et donc il reste, et d'ailleurs il négocie âprement avec son commandement, qui veut absolument qu'il rentre à Paris, c'est fini, la guerre est finie, mais il reste quand même pendant un an. Et il les abandonne un beau jour, les yeux pleins de larmes. Parce que ces Hmongs qui ont tout donné pour la France, ils ne comprennent pas qu'on les abandonne. C'est un peu le phénomène des harkis, si vous voulez. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'histoire se répète. Donc on a abandonné nos alliés en Indochine comme on les abandonnera 8 ans plus tard en Algérie.
Et d'ailleurs, il laisse un souvenir chez les Hmongs. Ça sera un des mots de la fin. Une citation de Wang Pao, qui est un chef de. C'est un officier un du colonel Cecil, laotien. Son meilleur officier, il en avait fait un commandant. Mm-hmm. Donc, quand la France a perdu et a quitté l'Indochine, ce Wang Pao a intégré l'armée laotienne. Et ensuite, il a été repéré par la CIA. Et il est devenu le chef de l'armée secrète. Et l'armée secrète, c'était l'armée des Hmongs, utilisée par la CIA pour combattre les communistes pendant la guerre du Vietnam. Alors, je ne sais pas si vous avez la citation en tête, sinon je peux la, allez-y, je peux oui, la lire. Oui, les Américains ont trop de matériel et font la guerre comme des mécanos. Le capitaine Sassy et ses hommes avaient de la tête, du cœur et des couilles. On les appelait les seigneurs aux pieds nus. Belle citation. C'est une belle citation. Belle hommage. Qui va clore notre entretien. C'était passionnant. Vraiment, merci. Merci, merci Jean-Louis Tremblay. Je rappelle donc vos ouvrages Un prince dans la tourmente, aux éditions, que je ne me trompe pas Nemrod, mais Nimrod. Également. Opération spéciale, 20 ans de guerre secrète. J'ai pas l'exemple. Avec le colonel Sassy, et toujours chez Nimrod. Toujours chez Nimrod. Et puis votre participation au dernier carré, aux éditions Perrin. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Et à bientôt. À bientôt. Merci à notre invité et maintenant nous allons retrouver la petite histoire de Christopher Lann. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et moi je vous souhaite une très bonne année 2023. À bientôt. Je vais vous parler aujourd'hui d'une bataille importante qui a été très importante, capitale dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de la chrétienté. Il s'agit d'une grosse, une bien grosse bataille navale, la bataille de Lépante, qui a opposé la flotte de la Sainte Alliance à celle de l'Empire Ottoman, à l'époque où l'Europe se défendait encore. Mais bon, voilà, ça c'est autre chose. C'est parti! Comme d'habitude, commençons évidemment par le contexte qui a amené à cette bataille. Parce que la bataille de Lépante engage la quatrième guerre vénéto-ottomane entre la République de Venise et l'Empire turc ottoman. C'est une bataille pour le contrôle de la Méditerranée orientale, puisque après la prise de Constantinople par les Turcs, Venise, la République de Venise, était la seule grande puissance chrétienne qui régnait encore dans cette région. La République de Venise comptait alors un certain nombre de places fortes, de comptoirs commerciaux, mais cette puissance commençait à être affaiblie par l'expansion ottomane. Parlons justement de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est gonflé à bloc à l'époque, puisqu'il est encore sous le coup de sa victoire à Djerba, contre la flotte catholique en 1560. Le prochain objectif des Ottomans dans leur conquête de la Méditerranée, c'est Chypre. Et c'est pourquoi dès 1570, l'Empire turc se lance à la conquête de cette île. La capitale Nicosie est rapidement prise, mais une place forte résiste jusqu'en 1571, Famagouste. Et après négociation de la reddition de la ville, les troupes vénitiennes qui étaient en garnison à l'intérieur vont être lâchement massacrées par les Turcs. Et c'est là notre point de départ de la formation de la Sainte Ligue. La Sainte Ligue est formée l'année même, en 1571, et son but officiel est de lutter contre la menace turque et contre l'expansion ottomane. Elle est le fruit des négociations diplomatiques menées par le pape Saint-Pie V, qui regroupe les États pontificaux, les États de Habsbourg d'Espagne, de Naples, de Sicile, les cités-états de Gênes et de Venise, le duché de Savoie et les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, souverain de Malte. La France ne participe pas à cette bataille pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'elle sort tout juste d'une guerre civile entre catholiques et protestants, donc il y a d'autres priorités. La seconde, c'est que la flotte française en Méditerranée est quasiment inexistante. Et la troisième, c'est que la France mène depuis François Ier une politique anti-Habsbourg qui a vu d'ailleurs François Ier
s'allier avec le Grand Turc, si vous vous rappelez de l'épisode de la petite histoire sur le sujet. La Sainte Ligue va donc se mettre en place et se former dans le but de détruire la flotte ottomane en Méditerranée. La flotte catholique rencontre la flotte ottomane aux environs de Lépante. Elle est commandée par Don Juan d'Espagne. Quant à la flotte ottomane, est commandée par Ali Pacha. Concernant les forces en présence, eh bien les Turcs ont la supériorité numérique, 230 galères environ et environ 120 navires légers, et la Ligue catholique compte 208 galères et 6 galéas. On va y revenir. Parce qu'avant de vous parler de la bataille, j'aimerais vous parler des galères et de comment se déroulait ce genre de bataille. Pour dire un mot des flottes de l'époque, eh bien ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'avaient pas beaucoup changé par rapport à l'Antiquité, et d'ailleurs la bataille de Lépante peut être mise en parallèle avec la bataille de Salamine qui avait été menée en 480 avant Jésus-Christ. Les embarcations dont on se sert sont des galères, donc des navires à rames, c'est beaucoup plus manœuvrable qu'avec les voiles, et elles sont similaires à celles dont les Grecs et les Perses se sont servis pour s'affronter à Salamine. L'abordage reste le moyen de combat principal, et comme dans l'Antiquité, on combat en ligne, une aile flanquant la côte. Le but est de briser le centre de l'adversaire pour envelopper son aile côté large. Pour dire un mot des galères, eh bien à la fin du XVIe siècle, elles mesurent environ 47 mètres de long sur 6 de large, hein, c'est une moyenne. Elles comprennent 250 hommes de chiourme, c'est-à-dire les rameurs, 120 matelots et environ 50 soldats. Elles disposent d'entre 3 et 5 canons de proue tirant de chasse, c'est-à-dire vers l'avant. Alors la vie à bord d'une galère est épouvantable, hein, du fait de l'exiguïté des lieux, le chiourme dort, mange et même défèque sur son banc, et c'est dire à l'époque, on disait qu'on sentait une galère arriver avant de la voir. Mais ça, cette anecdote, c'est cadeau ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de la galéas. La galéas, c'est un navire plus gros que la galère, donc il est moins manœuvrable, mais il compense sa faible manœuvrabilité par une puissance de feu extraordinaire pour l'époque, car il a également des canons de proue comme les galères, sauf que lui, il en a 8, mais il a également des pièces latérales, qui est une innovation majeure pour l'époque. La galéa, c'est plus haute qu'une galère ordinaire, ce qui la rend plus difficile à aborder et plus efficace dans les abordages. À Lépante, la flotte catholique compte 6 galéas, et ça va jouer un rôle décisif dans la bataille. D'ailleurs, on va parler de la bataille tout de suite. Cette bataille va durer 5 heures. Côté flotte catholique, eh bien, on a mis les galères en ligne et les 6 galéas en avant. Et les Turcs, qui sont en supériorité numérique, je le rappelle, vont s'évertuer durant toute la bataille à essayer de contourner ces galéas. Sans succès, elles vont leur infliger des dégâts considérables. Les 6 galéas vénitiennes vont détruire près de 70 galères turques. Les Turcs, qui sont de très bons marins, se sont très bien battus malgré tout, et d'ailleurs on peut mettre à leur tableau d'honneur la capture de la galère des chevaliers de l'ordre de Malte. À 15h, les chrétiens sont victorieux et Ali Pacha, commandant de la flotte turque, est mort. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette victoire catholique sur les Turcs alors qu'ils étaient en infériorité numérique. On peut citer les galéas, je vous l'ai dit, qui ont eu un rôle décisif, la dotation en artillerie qui est supérieure côté catholique, l'équipement individuel qui est aussi supérieur du côté de la Sainte Ligue, et enfin, la supériorité des fantassins espagnols qui ont été décisives dans les abordages. Au final, c'est une victoire écrasante pour les catholiques qui n'auront eu à déplorer que 8000 morts contre 30 000 côté turc. Un témoin oculaire de l'époque dira « La mer était entièrement couverte non seulement de mâts, de vergues, de rames brisées, mais aussi d'innombrables cadavres qui rendaient l'eau rouge comme du sang. » Pour prévenir la reconstitution d'une flotte ottomane, tous les marins turcs capturés ont été exécutés. Sans amalgame, hein, mais voilà. C'est une victoire pour les catholiques, je l'ai dit, une victoire écrasante même, mais son succès reste limité. D'ailleurs, Chypre va rester aux mains des Turcs. Néanmoins, eh bien, ça va marquer un coup d'arrêt décisif à l'expansion ottomane en Méditerranée. Voilà, j'espère avoir résumé et bien résumé cette bataille de Lépante, qui a été une bataille décisive et importante dans l'histoire de l'Europe et de la chrétienté. Là, je vous parle d'une époque où l'Europe se défendait encore, hein. Bon, on peut en parler, il nous reste plus que ça. Merci de m'avoir écouté, si ça vous a plu, le partage, le pouce bleu comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur TV Liberté.